Vous aurez rien contre les cauchemars? Les cauchemars? Ah, en ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche dans la tête et là, je me réveille. Putain. C'est pas la peine que je te file des trucs à toi. C'est vrai? Super. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Je gagnais 1 million de sesterces et avec, j'ai acheté une paire de chaussures. Trop grande, puis moche en plus. Hein. Elle est gentille, ma fille, hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle est laide? Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Tu crois que t'es beau, toi? Ah bah non, mais moi, je suis dans la police, ça n'a rien à voir. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Tiens, arrête-toi! Je vais leur dire que c'est des cons! Ils doivent pas le savoir! Mais foutez-leur la paix! Ils font de mal à personne! Mais je m'en fous! C'est pas possible d'être aussi con! Un petit bain pour le chef! Un petit bain pour le chef! Un petit bain pour le chef! Un petit... Mais je peux plus marcher, bordel! C'est pas de ma faute, je suis sûr que mon entorse s'infecte! Tu vas me faire le coup des entorses qui s'infectent maintenant? C'est que t'es dur, toi? Mais je suis sûr qu'à 20 mètres de là, y'a un pré, de l'herbe et tout ce qu'il faut pour pique-niquer! Eh ben non! Faut qu'ils s'installent au bord de la route! C'est des cons, je te dis! Allez, les verts! Le pétrole allez, représente les verts! Allez, les verts! Qu'est-ce que je viens de dire, ce verre? 14%, monsieur. Ouais. Figurez-vous que monsieur Jo était un maître chanteur. Non. Si. Oh! Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh! Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi? Vous. Non. Si. Oh! Ah non! Mais comment tu fais pour mettre des tongs? Non, c'est pas pour me vanter, docteur, mais maintenant, il me semble quand même que c'est celle-là qui est un poil plus courte que celle-là. T'es même pas enflé, y'a rien. Si ça se trouve, c'est enflé à l'intérieur, puis on voit pas. Toi, racontez à mon ami ce qui est arrivé dans ton village. Ah! Je veux bien vous réopérer demain. Mais c'est la dernière fois, je vous préviens, hein. Alors je raccourcirai celle-là d'un poil, et puis ma foi. Comment est-ce arrivé cette fois? En faisant du ski. Du ski? Nautique. Du ski nautique? Ça suffit, c'est pas un jeu. Allez. Écoutez, hein, ça se mesure, ce machin-là. Oui, en effet. Bon, ben, je le réopérerai demain, hein. Je raccourcirai celle-là d'un poil, et puis ça fera la rue Michel, c'est pour le Pérou. Je crois que t'as une fâcheuse tendance à perdre un petit peu ton sang-froid dans les moments difficiles. On the road again. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. T'es tendu comme une crampe. Je suis navré, Thérèse. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti. C'est une catastrophe. Quand tu vois quelqu'un, tu ne peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. Allô, Carole? Tu peux te laver les fesses, j'arrive. Là, ça commence à me reprendre, je suis déjà plus dans mon état normal. Ce soir, en rentrant, je vais la dérouiller. Je vais la dérouiller, je vais lui filer une avoine. Ça l'excite. Faut voir un tout vide, mon vieux. Elle va te saigner à mort, cette grognasse. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter, car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Bonjour. Excusez-moi, en fait, pardon, je suis un peu en retard parce que j'étais en train de me branler. Il se branle mutuellement, mon vieux, et c'est Manuela qui filme! Dans mes mains, il y a les seins de Carole Bouquet, et je tripote les seins de Carole Bouquet. Oui, et alors? Alors c'est très chaud, très doux. Non, je vous l'ai dirai après. Bah après, je me disais qu'on pourrait peut-être tirer un coup. Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop! Remballez! Oui? Je vous aime.